Lauren Van Namen fait définitivement partie de nos plus belles rencontres de 2020. Lorsque nos conversations se sont croisées pour la première fois sur Instagram, le courant est tout de suite passé et la sélectionner pour notre série Entre les pages nous est apparue comme une évidence. Au-delà de la gentillesse et de la bienveillance que cette illustratrice bruxelloise dégage de prime abord, nous admirons par-dessus tout la fibre créative qui l'anime. Fille de publicitaire et de professeur d'art plastique, Lauren se tourne dès l'école secondaire vers un cursus artistique. Avant même d'être diplômée du supérieur, elle commence à dessiner pour la presse tout en exposant ses travaux lors de parcours d'artiste. Aujourd'hui, après avoir travaillé 10 ans pour un magazine de design en tant qu'illustratrice et graphiste, elle se sent prête à reprendre le bâton de marche et à découvrir de nouveaux horizons en avançant pour ses propres projets. Quand on écoute Lauren évoquer son parcours, ses centres d'intérêt et sa vision du dessin, on se rend très vite compte que tout s'imbrique comme les pièces d'un puzzle et que tout fait sens. Son goût pour la lecture, mais aussi pour la montagne et l'alpinisme, elle le tient d'une certaine façon de ses grands-parents, qui étaient libraires et qui habitaient dans les Pyrénées. Lorsqu'elle se penche sur sa feuille blanche, armée de son bic bleu devenu sa marque de fabrique, elle s'imagine partir à la conquête du blanc. Elle l'attaque, comme on attaque un mur d'escalade. Et tout devient question d'équilibre entre l'intensité du trait bleu et l'espace vide laissé par le blanc. Faire le choix de dessiner au bic est une forme d'engagement et de témérité. Lauren dessine sans corde, sans filet de sécurité, comme un grimpeur libre. Si le bic coule ou dérape, tant pis, faudra s'adapter, comme le ferait l'alpiniste lorsqu'il doit affronter une météo capricieuse ou une piste difficile. Nous vous invitons à plonger tête la première dans les lectures et l'univers passionnant de Lauren. Bienvenue dans ce deuxième épisode d'Entre les pages. Les livres ont toujours fait partie de ma vie. Petite, on rendait régulièrement visite à mes grands-parents qui étaient libraires. Et puis plus tard, j'ai toujours apprécié les livres qu'on nous proposait de lire à l'école, en fait. Et puis ces dernières années, l'escalade, l'alpinisme et la montagne en général sont des thèmes récurrents dans mes lectures. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard aussi. Alors, j'ai choisi Le Magicien d'Oz. J'ai beaucoup hésité parce qu'en fait, il y a énormément de livres qui m'ont fait aimer la lecture. Mais celui-là, il m'a été offert par mes grands-parents au moment de mon 10e anniversaire, je m'en souviens. C'est un peu l'âge où on devient une lectrice sérieuse. Alors, on reçoit de beaux livres. Et alors pour parler du livre en lui-même, j'ai aimé que le héros soit en fait une héroïne. J'ai aimé que ses compagnons de route soient un lion, un bûcheron en fer blanc et un épouvantail. Et puis j'ai particulièrement aimé aussi qu'au moment où l'héroïne, donc Dorothy, rencontre le magicien d'Oz, ils lui disent... C'est un très beau message. Il lui dit, au fond, tout ce qu'on cherche, on l'a déjà au fond de soi. Voilà. Et ça, c'est un truc, ça m'avait vraiment plu, même à 10 ans. Le livre de coloriage. J'en achète toujours aujourd'hui. C'est le plaisir en fait de nourrir son enfant intérieur, c'est le plaisir d'être co-auteur tout en s'oubliant. C'est vraiment un truc que j'adore. Et en fait, il y a un designer qui s'appelle Nicolas Beauvais qui en parle dans son projet Blue Lake. Voilà, c'est ça. En fait, il s'est intéressé au coloriage de ses enfants et un jour, en partant en France, ils ont fait une halte devant un lac et spontanément, son fils s'est mis à dessiner ce lac, mais vraiment tel qu'il le voyait. Et puis à leur retour de vacances, le designer a repris ce dessin et il en a fait un tapis en laine. Et je trouve que l'histoire est magnifique parce qu'en fait, on part d'un geste spontané
et on arrive à un objet domestique, un objet à vivre en fait. Et je trouve que le coloriage, il permet ça aussi. Quelque chose qui se rattache à l'enfance, parce que le crayonné est super présent, on le voit, on le sent. Et en même temps, si on ne dit pas que c'est un lac, il y a quelque chose de totalement abstrait. Et donc là, on s'éloigne un peu de l'enfance. Les jardins statuaires de Jacques Abeille. Alors l'histoire se passe dans un monde et à une époque complètement indéterminée. Le voyageur qui est anonyme part découvrir une contrée qui est divisée en domaines clos et dans lesquels on cultive les statues. C'est complètement dingue. En fait, ces statues sont aussi fragiles que des plantes et donc on doit les soigner, on doit presque les arroser en fait. Et selon la qualité de la terre dans laquelle elles poussent, ces statues, elles prennent des formes guerrières, des formes de nymphes, de cariatides, enfin, des formes vraiment très variées. Et donc ce livre, il est juste inclassable. L'auteur livre, je pense, une réflexion sur l'inspiration, sur la création, sur notre rapport à l'art. Et à chaque fois que je repose ce livre, parce que vraiment il se déguste, d'ailleurs je ne l'ai pas fini encore, j'ai l'impression de revenir à moi en fait, de revenir d'un pays lointain. Et à chaque fois il faut me rappeler que non, c'est complètement imaginaire en fait. Mais je ne voudrais pas en fait, je voudrais vraiment que cette contrée existe. Et voilà, ce livre m'a complètement chamboulée, je ne m'y attendais pas. Le dictionnaire amoureux de la montagne de Frédéric Thirier. En fait, peu importe où j'ouvre ce livre, sur quelle page je tombe, je me retrouve soit au Karakoram ou en compagnie de Reinhold Messner ou au fond d'une crevasse. C'est absolument génial. Il y a aussi de très beaux thèmes qui sont évoqués comme la beauté, comme le danger, comme le silence, comme la douleur. En fait, c'est un livre super vaste et à chaque fois que je l'ouvre, je ne sais pas où je vais atterrir, mais je sais que j'y vais. Il n'est jamais trop tard pour éclore. Un livre de Catherine Tarret. En fait, ici, on nous parle des late bloomers, et donc en référence aux plantes à floraison tardive. Mais surtout aux gens qui fleurissent plus tard que la moyenne. Et donc, on nous parle d'une évolution à contre-courant des normes imposées par la société. C'est un livre qui parle d'une certaine lenteur, d'une recherche de sens, et puis surtout de l'acceptation de son propre chemin. Un chemin qui n'est pas forcément celui des autres, avec un rythme aussi qui n'est pas forcément celui des autres. Et c'est au final, je trouve, un livre qui fait du bien. Voilà. En plus, j'adore le titre. À la verticale de soi, de Stéphanie Baudet. C'est un gros coup de cœur ce livre. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est asthmatique et qui déteste les cours de gym. Elle va découvrir l'escalade et rencontrer son compagnon Arnaud Petit. Ensemble, ils vont gravir les plus belles parois du monde. Alors, c'est déjà une très belle histoire d'amour avec cet homme, mais aussi avec la montagne. C'est un récit super sensible, c'est un témoignage que j'ai trouvé très puissant parce qu'en fait l'auteur se place à la verticale d'elle-même et on comprend qu'en fait en grimpant, en s'élevant, elle a rencontré son être profond en
en fait. Et c'est vraiment une très très belle personne aussi. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que dans ce livre, on voit quelques photos aussi d'elle et son mari sur ses parois, en bivouac, à dormir à la belle étoile. Et donc on peut vraiment se représenter, s'imaginer ces situations d'escalade qui durent plusieurs jours. Et on grimpe un peu avec eux aussi. Mort dans l'après-midi d'Ernest Hemingway. C'est le monde de la tauromachie qui est minutieusement détaillé de sorte que le lecteur, à la fin du livre, ne puisse plus rien ignorer du rôle des chevaux, des taureaux, des picadors, des matadors, des banderillos et du déroulement d'une corrida. J'ai lu ce livre au retour d'un voyage en Andalousie et je ne m'attendais pas du tout en fait à une telle profusion de détails techniques. Tout est décortiqué, mais vraiment le geste, le truc, le là, et en fait c'est exténuant. Voilà, c'est celui-là. Alors je vais lire un petit passage. Au spectacle des hautes montagnes, je devinais aussitôt ce qu'elles offraient de joie à goûter, de rêve à caresser, de gloire à glaner. D'une façon inconsciente mais certaine, j'entrevis toutes les possibilités qu'offrait ce monde de roc et de glace, où il n'y a rien d'autre à cueillir que des fatigues et des dangers. Je sentais tout le prix qu'auraient pour moi ces fruits inutiles, qui ne se cueillent pas dans la boue, mais dans un écrin de beauté et de lumière. Alors ça, c'est un passage tiré de deux livres qui s'appellent « Les conquérants de l'inutile ». À nouveau, gros coup de cœur pour le titre. Lionel Terray, c'est en fait un des plus célèbres alpinistes français du XXe siècle. Et c'est le siècle où on a pu suivre la réalisation de grandes premières. En fait, il y avait encore énormément de sommets à gravir. Aujourd'hui, on les a un petit peu tous atteints. Mais il y avait ce côté exploration, ce côté découverte. Aujourd'hui, l'alpinisme se met d'autres défis, mais celui-là, j'aurais bien aimé le vivre. Un tout grand merci à Laurane Van Namen de nous avoir ouvert une petite fenêtre sur ses inspirations et ses préférences en matière de lecture. On espère de tout cœur que vous aurez apprécié le voyage et que cette capsule vous aura donné envie de suivre de plus près le travail fabuleux de cette illustratrice. N'hésitez pas à la rejoindre sur Instagram pour ne rien manquer de ses prochains projets. Quant à nous, on vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode d'Entre les pages. À bientôt !